Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle journée. Nous sommes lundi 24 juillet et on se trouve actuellement à Bethel sur le site de Woodstock. Il n'y en a pas de bol parce qu'il fait pas beau. Là, ça s'est arrêté de pleuvoir, mais bon, il y a de l'orage. Donc je suis dégoûtée. Parce que bon, c'est quand même un truc de plein air, c'est un champ, donc s'il pleut et qu'il fait de l'orage, pas sûr qu'on puisse y voir grand chose, mais bon, on va croiser les doigts pour que le soleil revienne. Thank you. Et voilà, on va aller voir tout ça. Sur le sol, il y a des briques avec plein d'inscriptions. Peace and love partout. On rentre dans le musée. Allez, rentrez. Il est payé. On rentre dans un musée, alors c'est beaucoup à lire et il y a des écrans. Il y a plein de vieux disques d'origine. Des vieilles radios. Une partie sur l'année 68 avec la guerre au Vietnam, avec un petit théâtre qui diffuse un film. On a des médailles de guerre là. Après voilà, c'est un musée qui retrace les années 60. Je vais aller dans le bus. It became cramped in the back of Volkswagen buses. C'est génial. Many hitchhikers. And there was a carload of people getting ready. Une belle coccinelle. Bon, bien voilà, on a fini la visite du musée. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait de la bonne musique.
On a payé 21,69 par adulte et 5 $ par enfant. Et on y reste le temps qu'on veut, quoi, à l'intérieur. À la sortie, il y a évidemment la boutique souvenir. Et voilà, moi j'ai aimé. Lily, t'as aimé? Oui, c'était cool. On a replongé dans les années 60. C'était sympa. Et là, on va les manger et on va aussi aller voir là. Il y a une plaque commémorative qu'ils ont fait juste au niveau du champ où le festival a eu lieu. Donc on va aller voir ça, je ne sais pas si on le fait avant, après manger. Parce qu'il est 2h30 quand même déjà. Donc voilà. Voilà, le monument est là. Tic, le monument est là. Le champ où a eu lieu le festival était là. Et là, ils ont fait le musée. Ils ont fait. Alors, il y a plein de. C'est tout aménagé maintenant pour accueillir des concerts et d'autres festivals. C'est une jolie place. Allez, on vient d'arriver au niveau de la plaque commémorative et où on a une vue générale sur le champ en fait, où a eu lieu le festival. Il y a beaucoup de vent. Hein. Ils ont fait un peace and love au milieu du champ, je ne sais pas si vous le voyez. Allez, ce midi, plutôt à 3h, on se fait une petite pizza. On s'est arrêté à Woodstock Oasis. Donc voilà la pizza, hein. C'est une assiette. Pour vous donner une idée. Et en même temps, j'ai acheté un petit sac. Nous, on a mangé. Mangez, mangez. Et des boucles d'oreilles. Même une part rentre même pas dans l'assiette. Non. Allez, bon app. Elle bouge. Et la troisième. Bon, Mathieu m'a appelé parce qu'il y avait 3 biches à l'entrée du camping. Je vous aurais mis les images juste avant. Et voilà, après ce petit tour dans Bethel, Woodstock, enfin, on était obligés de venir. Moi, j'ai toujours adoré Peace and Love. J'adore la musique des années 60. C'était une évidence qu'il fallait qu'on passe ici. Voilà, je voulais voir le lieu où avait eu lieu le festival.
Et voilà, c'est chose faite. Moi, je suis contente. J'ai adoré. Maintenant, ce soir, on va finir les restes du frigo parce que demain, on s'en va à New York. On passe la semaine à New York en hôtel. Donc, on pose le camping-car pendant une semaine. Donc, il faut vider le frigo. Et puis voilà, on va se faire une petite soirée tranquille, regarder une série sur l'ordinateur. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.